Vendredi 9 juin 2023, Sylvie Tellier est allée chercher son quatrième enfant, un chiot qu'elle a présenté à ses abonnés sur Instagram samedi 10 juin 2023. Je vous présente notre baby dog, a-t-elle lancé. Et de s'extasier, elle est toute mignonne. On va chercher notre quatrième enfant. Sur Instagram, vendredi 9 juin 2023, Sylvie Tellier a annoncé que sa famille allait s'agrandir, sauf que, cette fois-ci, ce n'est pas moi qui l'ai fait, a-t-elle plaisanté. C'est un chiot qu'elle est allée chercher. Ça y est, on a adopté notre baby chien aujourd'hui, a-t-elle confié dans une vidéo publiée dans sa story, une fois de retour chez elle. Retour à la maison, présentation aux enfants. Enfin, les enfants l'avaient déjà découvert chez l'éleveur. Première visite de la maison. Et là, on essaye de mettre en place les conseils de l'éleveur sur l'éducation dès le premier jour. Donc baby chien dort en bas, tout seul dans le salon, dans un petit parc. Il a pleuré 3 secondes et là, il n'y a plus de bruit. Point, on verra demain matin. Et, samedi matin, elle a révélé que le chiot avait hurlé toute la nuit. Je vous présente notre baby dog aussi. Jusque-là, Sylvie Tellier n'avait pas dévoilé de photos ou de vidéos de son nouveau compagnon à quatre pattes. Elle l'a fait samedi 10 juin 2020. Je vous présente notre baby dog, en légende d'une vidéo de la petite chienne. C'est une English Toy Terrier, une race de terrier anglaise. On a choisi cette race parce que c'est assez câlin, assez facile avec les enfants, mais ça reste un terrier donc bien speed, qui va venir courir avec moi, je suis bien contente. Pour l'instant, c'est dans les bras de sa maîtresse qu'elle se balade. Là, elle est toute petite parce qu'elle n'a que 2 mois et demi, a-t-elle glissé. Et de s'extasier, elle est toute mignonne. Restait à trouver un nom au baby dog. C'est l'année des U, alors si vous avez des idées de prénoms. Certains m'ont déjà dit, comme Camille sert à appeler son chien Roméo, le prénom de ton fils, tu pourrais l'appeler Camille. Qu'est-ce que vous en pensez? A plaisanté Sylvie Tellier qui a publié plusieurs photos avec son chien sur le réseau social. Ils vont être BFF avec mon chien, a commenté Diane Lair, qui se targue d'être la maman du plus beau chien du monde en description de son compte Instagram. Un titre qu'elles vont désormais se disputer.